3, 2, 1, go. She work it, girl, she work it, pole, she break it down, she takes it low, she's finally set, she's about the door, doing the thing right on the floor, her money, money, she's making. Look at the way she's shaking, it'll make you wanna touch, and mark you when it tastes, have you lustin' for her? Go crazy, face it. So much more than you used to. Snooze, that's how the move steals you. She gon' do the right thing and touch my spot. Then see new laps, you're ready to pop. Always ready when you want it. She want it like an info. The info, show you where to meet her. On the late night till daylight, club jumping if you want a good time. She gonna give you what you want. Maybe it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we could start a new phase. The smokes of the club all hazy, spots line you just as baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Alors là, vous vouliez du live, vous en avez Sébastien, qui est à côté de moi, un jeune d'une petite vingtaine d'années, qui était ce soir une fois de plus au gala, puisqu'on est toujours dans ce gala humanitaire. Alors, Sébastien, qu'on a vu tout à l'heure dans les loges, en train de faire l'imbécile avec sa guitare, en train de... Un petit peu. Ouais, qui voulait, on va dire, défrayer un peu la chronique, et puis finalement... Quand on s'est approché de ce garçon qui avait l'air de vouloir faire un tout petit peu l'imbécile, on s'est rendu compte que derrière tout ça, il y avait vraiment un gros, gros, gros talent. Et défense. Merci. Comment Thierry défense. Yeah, et voilà, donc on a en plus toute l'équipe de Starlight qui est derrière nous, derrière la caméra. Donc notre ami Guillaume, qui Dieu sait de quoi il parle, puisque bon, c'est un ami des Delegations et des Chics. Donc voilà, c'est une réalité. Et il dit, il défonce. Alors c'est vrai que c'est... Alors Sébastien, 20 ans, tu es né à Lausanne. Tu habites Lausanne ? J'habite Lausanne, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Tu as été repéré ? Bon, ce soir, t'es invité dans ce gala ? Écoute, ouais, ça c'est... En fait, mon histoire s'est passée comme ça que j'ai été découvert à un anniversaire, en fait, il y a une année et demie, en 2010. L'anniversaire ? Exact. D'accord. Et un mec qui accrochait, qui a décidé de m'aider à financer un peu mon projet. Ensuite, ça s'est super bien passé. J'ai sorti un premier titre qui a cartonné direct en radio en Suisse, premier festival devant 3000 personnes. Et toute l'année 2011, c'est un peu enchaîné comme ça, de surprise en surprise, quoi. Et voilà, là, j'attaque 2012 où on va essayer de venir un petit titiller en France aussi, voir ce qui se passe. Et ouais, c'est, là, c'est date sur date, concert sur concert. Je te sens un peu plus timide que tout à l'heure, hein, quand même. C'est la caméra. Tout à l'heure, il y avait le feu partout, hein, sur scène. Il a écouté il y est allé. C'était avant de monter sur scène. Ah, voilà. Il a fait une chose, j'ai plus de pression, là. Je peux être normal. D'accord, ok. Alors, tu es musicien depuis quand ? Je veux dire, c'est depuis tout petit. J'ai commencé la grade, j'avais 7 ans. D'accord. Mais j'ai fait des études vraiment sommaires, quoi. Je prenais une demi-heure de cours par semaine au conservatoire libre. Et chanter, voilà, j'ai juste toujours chanté, quoi, c'est mon truc, quoi. Ouais. Aucun cours de voix, rien ? Rien, non, j'ai toujours trouvé que... Enfin, je pense que cours de voix, ça peut être bien pour apprendre à respirer, etc., mais j'ai toujours eu un peu peur qu'on m'influence d'une certaine manière ou d'une autre. Moi, j'ai toujours voulu chanter comme ça venait, quoi, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'identifier au niveau de la musique ? Tu es proche de quel groupe, de quelle tendance musicale ? Déjà, je compose tout dans ma zik, et ça, je trouve bien, puisqu'au final, si je dis quelque chose sur scène, c'est quelque chose qui me ressemble. Mmh. Et sinon, après, là, quand je suis en formation acoustique, c'est, voilà, moi, j'adore Jack Johnson, Jason Mraz, Justin Nozuka, John Mayer. Et sinon, avec mon band, c'est plus tourné un peu plus rock. J'adore Coldplay, Muse, The Script. Ouais, je suis fan. S'il vous plaît, rock actuel. Exactement, ouais. Non pas rockabilly. Bah écoute, j'adore Led Zepp, fan de Nirvana, AC/DC, enfin ouais, Oasis. Rock hard alors donc. Ouais, tout. Enfin, j'ai jamais été contre aucun mouvement de musique en fait. Moi je pense qu'il y a du bon à prendre dans chaque alors, style quoi. Ce soir tu as rencontré pas mal de stars quand même, puisqu'il y avait Ariel Dombal, il y avait Rosanna Arquette, qu'on a eu la chance d'avoir tout à l'heure. Tu as rencontré aussi notre ami Guillaume. Notre ami Guillaume. Qui fait un malheur. Dans le monde entier, très peu en France avec ses titres, mais c'est comme ça.
ce temps-là, avec sa dance techno, on va dire entre guillemets, fin. Qui déchire montré, aussi. Ouais, qui déchire. Ouais. Mokébé. Alors, est-ce que ce soir, ces gens t'ont un tout petit peu parlé? Anaïs aussi. Anaïs aussi. Bien craqué sur ce que t'as fait. C'est vrai, plaisir. Est-ce que ces gens, parce que bon, pour les téléspectateurs, est-ce que ces gens ont éventuellement ont demandé ton contact pour qu'ils comprennent bien un peu comment ça se passe dans notre milieu, dans ce milieu? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce qu'ils t'ont mis de côté? Est-ce que tu as été bien accepté? Non, mais c'est important parce qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe toujours dans ce milieu. Et moi, je suis un peu là pour ça, pour que ce soit transparent, pour que les gens comprennent bien que c'est... Et là, ta parole va être deux fois. Tu as 20 ans, tu vas dire la vérité. Je vais dire la vérité face à la caméra aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé éventuellement? Écoute, ça s'est franchement super bien passé. Mokobé, tu l'as vu? Mokobé, pas rencontré. Non. Pas rencontré. J'ai eu la chance. Starlight. Ouais, Joel et tout ça. J'ai vraiment des bons types, comme on dit ici. Ouais. Et non, c'est vrai que tous les gens que j'ai eu la possibilité de rencontrer ce soir, ça s'est vraiment bien passé. Quoi. Je sors pas en me disant ah ouais, lui, t'es vraiment con, quoi que ce soit. Mais et voilà, pour avoir été dans la salle après le concert, bah voilà, tu rencontres énormément de monde. C'est une soirée caritative, donc c'est en général du beau monde qui est là. Et ouais, c'est clair que ça passe à fond, quoi. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, j'adore faire des nouvelles rencontres. Et je crois que dans des soirées comme ça, bah, c'est l'essentiel, c'est de simplement être comme tu es. Moi, je suis quelqu'un de sympa, ouvert. Et voilà, tu discutes, tu fais des belles rencontres. Quoi. Ça a été un plaisir de te voir, de t'entendre. Moi, je confirme. Il y a du talent. Merci, Tony. Non, mais c'est une réalité. Il y a du talent. Il y a quelqu'un qui existe, qui écoute en plus, parce que t'es loin d'être fermé. Et qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce que tu as éventuellement envie Ouais. Alors là, pour moi, ça se passe comme ça, que le début de l'année 2012, je me suis pas mal donné à d'autres projets, en fait, un peu en dehors de ma propre musique. J'ai fait un titre avec un producteur de rap, j'ai fait un titre avec une chanson que j'avais écrite avec une autre artiste suisse. Et j'ai fait un peu ces featuring. Et sinon là, entre février et avril, on va tourner 17 dates en Suisse, qui est vachement bien. Et après, le but un peu de cette année, c'est en France, à partir d'avril. La France, ouais, le tout grand, la France, pour nous, les petits Suisses. Et voilà, ça va être bien, on revient en Suisse pour les festivals d'été, mais ouais, je crois que Tu vas faire peut-être la scène d'Ella Fitzgerald? C'est-à-dire? Eh ben là, pour je veux dire, pour la fête de la musique suisse. Ah ouais, tu veux dire le Montreux Jazz Festival? Non, à Genève. Ah, la fête de l'espoir. Non. Dieu Seigneur, ça s'appelle. Les Floyd que nous avions produit avaient fait l'ouverture des festivals qui s'appellent les... Comment on appelle ça à Genève. Ah, ça, je ne sais pas de quoi tu veux parler, Dieu, Tony. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que... Il faudra que tu me redises ça. Tu vois pas ce que c'est? Je veux dire, cette manifestation... C'est une salle qui... Non, ça se passe en plein air à Genève. Non, tu vois pas. Je ne sais pas, voie de fête. Non, c'est c'est un festival de musique où il y a la scène Ella Fitzgerald qu'on connaît bien dans le parc de Genève et qui s'appelle les fêtes de Genève. Les fêtes de Genève. Eh bien, voilà. Ça te parle les fêtes de Genève? Les fêtes de Genève, ça me parle. Feux d'artifice. Il y a plein de groupes qui jouent. Et donc, bah, écoute, non, tu ne feras pas partie pour cette fois. J'en sais rien. Eh bien, écoute, tu feras peut-être ta première partie d'Anaïs à l'Olympia. Avec plaisir. De Mokobé. Est-ce qu'on termine avec un petit morceau de ta part? Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de terminer? Écoute, non, j'ai été très heureux de te rencontrer, Tony. Écoute. Merci pour l'interview, merci pour les conseils. Ouais. Quel conseil, Et là, ce qu'on aimerait bien entendre, c'est éventuellement une de tes compositions, celle que, on ne va pas dire que tu préfères, parce qu'elles sont toutes bien. Alors, je vais vous faire la chanson qui a été le premier single en Suisse et qui sera la chanson qu'on va sortir... en France aussi en premier. Ça s'appelle Lucky. C'est une exclue. You say you are never gonna leave me like a child. You will always help me through the storm. I like the way you stand by me. And now I'm lucky, I wonder when. Wonder when you saw me crying tears. Certainly it's been a couple years. The brightest side of life has shown that I'm not wrong. That everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. Cause I'm lucky. The days are shining happy and the pain forever missing from when I wake throughout the day. A lasting smile upon my face.
Voilà. J'espère que tu l'as déposé à la SACEM. Ah, je sais pas, il faut que je fasse ça. Hein. Fais le nécessaire parce que quand il faut que je fasse ça. Oui, quand on va diffuser, aïe, aïe, aïe. Il y a des chances que ce soit repris. Aïe. Écoute, Sébastien, si jamais pour plus d'infos, oui. Bastian Baker, il y a une page spécialement pour la France. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Voilà, donc Bastian Baker France sur Facebook. Sinon, le site bastianbaker.com. Et Bastian, B-A-S. T-I-A-N, Baker, B-A-K-E-R, en un mot.com. Ok. Ça a été vraiment un plaisir, on t'embrasse très fort. Partagez, on merci te beaucoup. Énormément de succès, on n'est pas du tout inquiet. Merci. Bonne fin de soirée, à bientôt. Merci. Ciao. Merci.